Hello tout le monde, c'est Galar Gaming, toujours là, toujours présent. Donc aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo sur Fortnite. On va voir la nouvelle présentation de la saison 10. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble cette saison 10 parce que on attend tous cette saison 10. Est-ce que Fortnite va se démarquer? Est-ce que Fortnite restera toujours dans les annales? Et je vais vous dire aussi mon avis et mes critiques de cette saison. Allez. Season X is here, and the world is destabilizing, fast. But don't worry, that means there are a ton of new ways to play Fortnite. From the Brute, a non, new two-player vehicle that packs some serious firepower, to mysterious rifts that alter your favorite POIs in unexpected ways. Huh, that's weird. Season X delivers new experiences for all players to enjoy. There are new places to explore, new secrets to uncover, and the world you play today may not be the world you play tomorrow. In addition to all new gameplay found in Season X, there's also a brand new battle pass that'll introduce new dimensions to some of your favorite Fortnite characters in ways you've never seen before. And at Tier 100, you'll unlock Ultima Knight. Plus, don't forget, there are new emotes, gliders, wraps, and more to earn as you advance through the pass. The Battle Pass is available right now for just 950 V-Bucks. We'll see you in-game. Les skins sont stylés. Les skins sont stylés, les skins sont stylés. Bah honnêtement, je vais vous dire à propos de cette saison 10, les amis, c'est que pour moi, ce que je pense, hein, c'est mon avis, c'est que je comprends pas qu'est-ce que c'est que ces robots en fait. Pourquoi ils vont mettre des robots Transformers ou Power Rangers dans Fortnite? J'espère juste, moi ce qui m'inquiète, j'espère juste c'est un nouveau mode. Si c'est un nouveau mode, ça passe. Si c'est un mode on peut jouer avec des robots et tout, ça passe. Mais si c'est en pleine game, tu joues, ils prennent des robots et ils tirent sur tout le monde, ils se font des kills et tout. Ça risque de déchanter beaucoup de joueurs. Ça, c'est mon avis. Hein. Là, le retour de Dusty Depot, vous l'avez vu. On dirait qu'il a l'air net et clean. Franchement, je suis content. Il est. C'est ça qui rend heureux, en fait. Bah, je vois les skins. Franchement, les skins, là, j'ai vu vite fait. Là, ils sont vraiment stylés. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment stylés. Il n'y a rien à dire sur ça. J'aime bien. Franchement, les skins, j'aime bien. Mais il y a un truc qui me laisse sceptique, c'est les robots, en fait. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils font, ces robots? Ils ont rajouté ça, j'espère, c'est pas dans le Battle Royale. Vous imaginez ça sur le Battle Royale? Ça fait flipper, ça fait vraiment flipper. J'ai hâte de découvrir cette mise à jour Fortnite avec vous parce que je reste beaucoup sceptique. Je reste beaucoup sceptique sur ça parce que pour mettre des robots comme ça, moi je comprends pas. Hein. Pourquoi mettre des robots? Regardez, attends, je vais vous montrer. Pourquoi mettre des robots comme ça? T'es invincible, regarde, le gars il construit, il tire, ça fait flipper quand même. Tu es là, tu te poses des questions. J'espère juste, c'est un nouveau mode. Voilà, c'est un truc que j'aimerais bien. J'espère que c'est un nouveau mode, voilà, parce que. Voilà. Bon bah voilà, je crois que j'ai tout dit, les amis. Bon bah, n'oubliez pas de me rejoindre sur Twitch ce soir à 21h. Je vais faire du Fortnite. Battle Royale ce soir-là pour découvrir avec vous la mise à jour de la saison 10, voir ce que je pense, en même temps jouant avec vous tous, ça serait bien, n'oubliez pas, n'oubliez pas rejoindre ma chaîne Twitch qui est en bas dans la description. Sur ce, moi je vous dis, je vous laisse. Moi, je reste sceptique. Là pour moi, je reste sceptique parce que pourquoi mettre des robots? C'est déjà pas si compliqué que ça, ils mettent des robots dedans. J'espère juste c'est un mode. J'espère juste c'est pas le Battle Royale, vous imaginez? Vous imaginez ça? Ça va enrager les gens, hein? Ça va vraiment les faire rager. Hein? Bon bah, sur ce, Galar Gaming, toujours là, toujours présent. Bye bye!